Hazır hazır direkten as. Merhaba asker. D'abord à féliciter le président du gouvernement de la République turque de l'accueil chaleureux et de toutes les attentions dont ma délégation a bénéficié depuis notre séjour dans cette ville, belle ville d'Ankara. Nous savons que la Turquie est un grand pays qui a une longue histoire et qui a aussi, après avoir été une grande puissance pendant plus de 10 siècles, a été confronté aussi à l'action de l'impérialisme qui l'a amené à diviser ses provinces, etc. Mais la Turquie a eu la chance d'avoir un héros, Mustafa Kemal Atatürk, qui a réussi à reconquérir et à mettre fin
au traité unique de Sèvres pour le remplacer par le traité de Lausanne qui a redonné à la Turquie. Nous savons aussi que la Turquie, sous Menderes, s'est développée beaucoup. Malheureusement, le régime militaire, comme a dit le président de l'Assemblée, a ramené la Turquie 25 ans en arrière. Aujourd'hui, la Turquie a la chance d'avoir un très grand président, visionnaire, déterminé, et qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie est respectée sur le plan international. Bien sûr, les Africains ne connaissent pas toujours très bien la Turquie, mais nous gagnons beaucoup à connaître la Turquie. Bonsoir. Ma question s'adresse au président Erdogan. Je suis Sanasi Keita, journaliste au bureau de presse de la présidence de la République. La Turquie, M. Erdogan, est aujourd'hui un modèle de développement qui inspire réellement votre frère et ami Prosper Alpha Condé. Prosper Alpha Condé qui tient d'ailleurs au renforcement et aux diversifications des relations entre Ankara et Conakry. Comment comptez-vous, M. Erdogan, soutenir aujourd'hui la politique de développement socio-économique de votre frère et ami Prosper Alpha Condé afin que la Guinée soit aussi un modèle de développement? Excellence, Monsieur le Président Erdogan, je suis Souleymane Camara, je suis le coordinateur de la cellule de communication du gouvernement. Comme vous le savez sans doute, notre pays se relève donc de deux années difficiles dues notamment à la survenance du virus Ebola. Cependant, les signaux sur le plan économique semblent de nouveau ouverts et les perspectives prometteuses dans divers secteurs. Je pense notamment au boom dans le secteur aérien, et vous l'avez rappelé tout à l'heure avec le retour donc de Turkish Airlines à partir de l'année prochaine. Comment comptez-vous transformer, Excellence Monsieur le Président, ces belles perspectives en opportunités d'affaires concrètes qui soient bénéfiques donc à nos deux populations sur le plan de l'agriculture principalement? Je vous remercie. Ben tabii Mart'taki ziyaretimde de değerli dostuma kardeşime söylemiştim. Yani her şeyden önce medeni olmak, şehirleşme denilen sorunu çözmek çok önemli. Hastanelerde bile ne ararız? Hijyen koşullarını ararız. Bakın hastane. Hastanede bile hijyenik koşullar nedir? Ne durumdadır? Buna bakarız. Şöyle düşünüyorum. 20 yıl önce bizim hastanelerimizin durumu. Elbap'ta şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar.